Bonsoir, comment ça va? Oh, je vois que vous êtes en train d'arriver, c'est chouette, coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, voilà un petit live United in Sound par Honor. Merci, merci à tous d'être présents ce soir, c'est très chouette, c'est génial de vous voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé de Hideaway. Je ne sais pas si vous avez écouté le post que j'ai fait juste après, la version de John Mayall invitant Eric Clapton à le rejoindre sur scène. Et c'est le challenge de la semaine. Donc je vous invite à faire votre expérience avec ce morceau, à le relever. Ouais, ça caille. à le relever. Et quoi d'autre? Eh bien, comment dire. Pardon, j'ai perdu le fil. J'ai lu les messages en même temps et du coup, ça m'a perturbé. Donc, en fait, oui, ce morceau, il faut vraiment le relever. Et donc. Jolie maille de laine dans le pull. Eh oui, un petit pull de laine. Ça tient chaud. Et donc du coup, le morceau Hideaway, il faut absolument que vous fassiez la tablature et que vous fassiez une petite vidéo pour ça. Donc je ne sais pas si vous avez commencé à travailler là-dessus. Moi, j'ai ressorti une très ancienne chanson que vous connaissez tous, je pense, qui est très intéressante pour travailler ce que j'avais proposé il y a quelques semaines, qui s'appelle La Boucle. So I traduce in English a little bit and I talked about the challenge. For this week, the Hideaway song with John Mayall inviting on stage Eric Clapton, in fact, the goal is for you to take the song and make a tap for harmonica to your way, and to make a small video after around this song, so you can try something and take a playback, something on YouTube, about what you can find, and after that, you will make your own video and your own stuff with. So, in my life of yesterday, there were a small example, really easy to play and stop. To try to find your notes and your kind of play. So, aujourd'hui, je vais vous jouer quelque chose d'autre que vous connaissez tous. Coucou. Est-ce que vous reconnaissez? Il faut que je trouve une contrebasse si quelqu'un a un plan à pas trop cher. Alors moi je ne suis pas spécialiste, mais si parmi les internautes il y en a qui savent. Donc ça ne vous dit pas grand-chose cette chanson en fait. What do you think about this song I've just played? It's a real famous song. And it's a song from, do you know who? The Hook, yes, The Hook. And in fact, this song from Jean-Jacques Milteau, The Hook, c'est Jean-Jacques, exactement. Et il y a aussi autre chose, une autre référence dans cette chanson. Et ben, vous vous rappelez du titre Boom, 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 John Lee Hooker. Voilà, donc tout ça, c'est inspiré à l'origine de cette grande chanson qui a traversé les époques. Et effectivement, donc cette chanson de Hook est super chouette pour bosser les altérations faciles.
Donc moi ce que je vous propose c'est de tenter comme ça. Enfin ça c'est ma version. Je vous avoue que je me suis peut-être un petit peu écartée de la version originale depuis le temps que je l'ai jouée. Mais comme ça fait partie des grands standards du blues, bah du coup je me la suis vraiment appropriée. Donc je ne suis pas certaine de faire exactement la version de Jean-Jacques. Voilà. Donc. Donc en fait, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de tester la différence entre le single note d'un côté et les accords de l'autre. Donc. Et en fait, pour tous ceux qui veulent travailler la vitesse, c'est souvent une question qui revient, et bien pour vous, ça va être très intéressant, vous allez pouvoir la travailler autant que vous voulez. Voilà, boum, 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 exactement. Donc en fait, le but, c'est de décomposer. Et puis après, vous évoluez. Donc voilà, c'était le travail du jour. Ça vous plaît? Même au ralenti à reproduire, c'est trop dur pour une novice, mais j'adore. Ouais, c'est clair que pour quand on est vraiment débutant, débutant, c'est un petit peu trop. Alors, je pourrais par contre te proposer un exercice, Laure, pour toi, puisque c'est encore trop tôt pour toi pour attaquer ce genre de choses, direct, comme ça. Donc, Je te propose de faire un exercice tout con, tu vas faire ça. En fait, tu vas enlever les altérations, tu vas garder deux notes à la place, tu vas faire 4 aspirés, 5 aspirés. Simplement ça. Donc 4 aspirés, 5 aspirés, 4 soufflés, tu reviens. 3 aspirés altérés une fois. Et ensuite l'accord. Ça, tu devrais réussir à l'attraper. Et si le 3 aspirés altérés, tu ne l'as pas encore, c'est pas grave. Tu vas direct sur l'accord. Donc, je m'explique. Donc en fait, tu joues pas exactement la boucle, mais ça te permet de faire quand même l'exercice en simplifiant beaucoup. Comme ça te permet de commencer à intégrer les notes, et puis petit à petit, quand tu arriveras à décrypter l'autre version, et ben tu intégreras au fur et à mesure. Voilà ce que je te propose. Donc je répète, 4 aspirés, 5 aspirés. 4 soufflés, 4, donc 4 soufflés deux fois, hein, enfin, puisqu'il y a deux notes, hein, donc tu remplaces en fait le 3 aspiré altéré une fois par le 4 soufflé, non. Ok? Et ensuite l'accord deux fois, 1, 2, 3, aspiré deux fois. 4 aspirés, 5 aspirés, 4 soufflés, et l'accord. 1, 2, 3, aspiré deux fois. Voilà, et ensuite tu répètes. Donc ensuite quand ça change, que ça passe sur le quatrième degré depuis à du longtemps, tu changes juste, pas le début, mais juste la fin, que les accords, et tu souffles à la place d'aspirer. Voilà. Et ensuite, tu vas...
vas faire le cinquième degré. Le cinquième degré, c'est en fait une autre note qui est importante, c'est le 4 aspiré. Donc tu fais juste un 4 aspiré comme ça, que tu tiens longtemps. Et ensuite tu vas faire un 4 soufflé. Voilà, comme ça. Et ensuite tu reviens sur la première phrase. Et voilà, comme ça tu as une version ultra simplifiée et qui est vraiment accessible et tu peux quand même t'amuser. Voilà, petite simplification express. Je ne sais pas si ça te parle, n'hésite pas à me le dire. Voilà. Comment je marque le 5 et 4e degré pour différencier du riff? En fait, c'est juste ça, je finis sur le 4e degré et je finis sur l'accord. Et ensuite, je reviens sur le 1. Et ensuite, je vais finir sur le 4 aspiré, le 5e degré, 4 aspiré. Là, ça marque vraiment. Et je reviens sur le premier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut rester sur les notes principales. C'est sympa expliqué ainsi. Trop cool. Ouais, c'est chouette. C'est plaisir. Merci, Laure. Trop bien. Bon, et ben les copains, je vous propose de travailler ça chez vous. Je vous propose de continuer le relevé de Hideaway. Amusez-vous bien avec ça, c'est vraiment kiffant et n'hésitez pas à vous trouver une petite grille pour faire le thème dessus si vous arrivez à dégoter ça ou si vous pouvez faire un petit chorus aussi dessus, ça peut être très 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 sympa. Voilà, bon, et bah écoutez, je vous joue la petite nouveauté d'aujourd'hui et puis je vous fais une petite impro dessus et puis on se quitte là-dessus et on se retrouve demain à 18h pour le prochain live. Merci beaucoup, merci pour votre présence. À demain, ciao ciao ciao. Petit rappel juste pour finir, United in Sound par Honor. Maintenant on fait donc ça tous les jours à 18h, ça n'a pas changé. C'est en live sur le Facebook, c'est en replay sur Facebook, Instagram et YouTube. Je poste la vidéo dès qu'on finit les lives à chaque fois sur les autres réseaux sociaux. Et les ressources, c'est toujours mon site internet www.rachelplace.com. Je vous remercie, à demain. Ciao, ciao. Thank you. Bye. Bye.